Même pas. Il y a juste le chat qui a requis mon attention pour un petit peu avant le stream. Du coup, elle est descendue du canapé. Sinon, salut tout le monde. Bonsoir. Prêt à continuer cette deuxième affaire. Oh. Bah du coup, être arrêté dessus, ça me fait encore plus de peine de voir le sprite de Maya triste. Mort, comment ça va? Ah putain, je peux même pas tenir mon mug. Genre, je me suis fait chauffer un café. J'ai pas fait gaffe que j'avais appuyé 4 fois sur le bouton. Donc au lieu de chauffer 1 minute 30, il a chauffé 2 minutes. Et 30 secondes au micro-ondes pour du café, c'est beaucoup. Aïe, vache, je peux même pas soulever mon mug. Enfin si. Ouais, tu me dis, il y a ça là. Mais alors par contre, genre, je peux même... Genre, c'est même pas j'essaye de me réchauffer les mains ou quoi, c'est ça me brûle direct. Enfin, c'est genre, je peux une demi seconde, ok. C'est juste le temps que ça soit. Hop, hop, hop. Pas touche. Ça brûle. Voilà. Bon, bah écoutez, on va pouvoir. Putain, j'ai un gars qui chasse les mouches à côté. Bon, alors attendez, je revérifie. C'est bon, je vais envoyer. Ok, j'ai une deuxième affaire ce soir. Nickel. Bon, quand même, je vérifie si tout est bon, hein. Ok, bon bah tout est bon. On va pouvoir avancer. Hop. Bon, bah première vraie phase d'enquête du jeu. Donc on va en profiter un petit peu. Bon alors peut-être que pour les phases d'enquête, peut-être qu'on va je vais moins faire le jeu de je laisse deviner le chat. Parce qu'en vrai je me souviens pas forcément de tous les trucs de l'enquête. Donc on va avancer, je vais avancer à mon rythme pour les phases d'enquête. Le jeu commence vraiment, ouais, là c'est vraiment là, Ace Attorney. Parce que c'est vrai qu'Ace Attorney, tout le monde en a l'image du jeu qui se passe dans le tribunal. Mais il y a quand même une très grosse phase qui est portée sur les enquêtes. Et phase où tu discutes avec les personnes impliquées dans l'affaire, les témoins, tout ça. Donc en vrai, là effectivement, on rentre dans la deuxième phase du jeu qui est très souvent oubliée. De manière très injuste, parce que les phases d'enquête, t'as vraiment des instants légendaire de Ace Attorney qui se déroule pendant ce moment-là. Parce que du coup, c'est l'occasion pour les personnages de discuter, des fois en dehors du cadre de l'affaire, des fois ils peuvent partir dans des délires ou quoi. Et t'as certains délires qui sont devenus légendaires dans la série, quoi, des trucs qui reviennent ou qui sont limite devenus des mèmes, hein, sans déconner. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir avancer, mais bon, du coup, je vais moins jouer le jeu je laisse le chat deviner, comme d'habitude, pour les phases d'enquête, sinon ce serait vraiment beaucoup trop long. On gardera ça pour les phases de procès. Pour les phases d'enquête, on va essayer d'avancer de la manière la plus fluide possible. Je me souviens moi-même pas forcément de tout, donc forcément, il y a peut-être des moments où je vais moi-même errer. Hein. Après, limite, si je commence à errer et que vous voulez aider, il n'y a aucun souci, mais je vais moins jouer le jeu je vais laisser le chat deviner. Vu que là on est plus sur une phase où justement on va devoir recueillir des informations plutôt que d'essayer de les croiser. 1h30 le premier procès, oui mais on a pris beaucoup de temps, j'ai beaucoup discuté. Et ce jeu du moi je sais, le chat, je laisse le chat deviner. J'ai pas encore pris le temps de mettre un timer d'ailleurs. Mais faudra que je le fasse, genre que je mette un petit timer de 30 secondes. Et quand quelqu'un dit qu'il a la réponse, je peux lancer le timer et si personne d'autre ne dit quoi que ce soit. Deuxième minute de total, ouais, mais c'est mieux de l'afficher sur le stream, non? Yo, Shadlight! Comment ça va, mec? La musique est tellement géniale. Mais oui! Mais sincèrement, la musique, c'est l'un des plus gros points forts de la licence. Ace Attorney, s'il y a une seule chose qui resteront dans les mémoires. Enfin, non, il y a deux choses, genre, qui sont devenues, j'ai presque envie de dire, intemporelles vis-à-vis de la licence. Ces OST, vraiment, t'as des OST. L'OST de l'objection, le premier Corn Red, un thème qu'on aura dans la troisième affaire. Voilà. Il y a des thèmes musicaux intemporels. Et le OBJECTION! Ça, genre, tu as juste à lancer ça comme ça. Tu sais que les gens, même s'ils ont jamais joué au jeu, ils savent que ça vient d'Ace Attorney, tu vois. C'est le truc, c'est le OBJECTION. Le OBJECTION. Avec l'onomatopée qui va avec. Hein.
c'est littéralement le truc que le commun des mortels va connaître de Phoenix Wright. Si le commun des mortels qui n'a pas joué au jeu connaît Phoenix Wright, c'est grâce à ça, c'est cette image-là, du gars qui pointe du doigt avec l'objection. Ah mais tu sais que moi je l'ai écouté sur le retour du taf aujourd'hui, véridique. Ouais bah du coup à me refaire les jeux, je me remets à réécouter encore à fond. Des fois j'ai des périodes comme ça où j'écoute certaines OST de certains jeux lorsque je rentre chez moi du taf. Et bon bah du coup là vu que je fais Ace Attorney, j'écoute pas mal de OST d'Ace Attorney. Je réécoute les OST des boss de Sonic Frontier aussi. Voilà, c'est les quatre principales on va dire. Donc Undefeatable, Breakthrough It All, Find Your Flame et I'm Here. Et vraiment, I'm Here, c'est terrible que le final boss soit autant à chier. Hein. C'est terrible, hein, parce que la musique, elle est trop bien. J'aimerais bien pouvoir l'entendre plus de 30 secondes. Et du coup, les OST d'Ace Attorney. Alors, du coup, moi, je me réécoute de toute la licence. Hein. Même si j'ai passé beaucoup de temps sur Cornwall, quand même, parce que bon, ça reste un thème légendaire, quoi. Ah, moi, c'est YouTube. Je cherche l'OST sur YouTube et puis ça fait la base. C'était aussi simple. C'est vrai que j'ai connu l'objection avant de connaître véritablement le jeu, mais beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et même ceux qui n'ont pas fait le jeu, ils connaissent au moins ça, tu vois. Genre, l'année dernière, à Japan Expo, avec mon cosplay Phoenix, t'inquiète qu'il y avait des gens qui se retournaient vers moi, genre sur mon passage, qui se retournaient. Objection ! Tu vois, vraiment, c'était très drôle. Et du coup, je me tournais vers eux en pointant le doigt. Objection ! Moi, je faisais un instant. Voilà, c'était très drôle. Faudrait juste que. En vérité, faudrait juste que je refasse bien la perruque parce que je l'avais vraiment foiré. Disons que je m'étais pas trop renseigné sur comment on coiffe une perruque et du coup, j'ai fait un peu de la merde. Bon, ça va, ça se reconnaissait au moins parce que j'avais des pics en arrière, tu vois. Mais bon, c'était un peu à la one again, quoi. Franchement, moi j'en ai aucune idée pour cette année. Je sais pas. Je me suis pas. Je suis pas encore penché sur le truc. Et vu qu'on est bientôt au mois de juin, je me dis ça va être fait à l'arrache juste pour un jour avec des potes. C'est vrai que d'habitude j'y vais pour plusieurs jours d'affilée ou quoi. J'y vais avec mon ami, bah du coup, qui elle va souvent au Japan en cosplay Maya. D'où le fait que je me sois motivé à faire un cosplay Phoenix. Je me suis dit, bah attends, tu viens en Maya tous les ans. Vas-y, je vais au moins me mettre en Phoenix histoire au moins qu'on fasse le duo cosplay quoi. C'est tant qu'à faire. Donc j'ai vraiment mon costard bleu avec ma cravate rouge. Par contre, j'avais pas réussi à trouver de badge. J'en avais commandé un, mais il est jamais arrivé. Et du coup, en fait, je me suis acheté un pins à Japan Expo. Donc j'ai mis au même endroit que normalement Phoenix met son badge. Et en fait, c'est un chibi Phoenix avec le objection. Du coup, à défaut de badge. Et du coup, je me suis dit, bah non, je vais pas racheter le badge. En fait, je vais laisser ça juste parce que. Juste pour la blague, en fait. Juste de laisser un petit objection sur le cosplay. J'aime les OST d'Alice Attorney, particulièrement Dread of the Grave. Elle est incroyable celle-là. Quand on la verra dans la dernière affaire. Hop, donc là elle nous parle qu'elle a une conversation enregistrée avec Maya sur son téléphone. Hop! Voilà, on a une petite note de Maya qui demande gentiment à l'inspecteur Tectif de lui rendre son téléphone.
Excusez-moi. Ces bips sont tout simplement mon lave-vaisselle. Qui... Oui, oui, c'est bon, j'ai compris. Merci. Attends, attends, est-ce qu'elle est l'option pour... attendez. Ah ouais, d'accord, j'ai carrément déconnecté ma manette, moi. Ah, c'est le... Ah ouais. Ah, cette touche déconnecte la manette. Ok, putain, je savais pas. Attends, comment je fais pour revoir les anciens dialogues? Eh, il n'y a pas la possibilité de... Merde. La roulette. Bah, vas-y, on va faire. Bien sûr. Jeanne m'a fait d'un coup du nom du détective. Je compte sur toi pour répondre à la plus grande des questions alors. Hop, on peut aussi reparler du coup du jour du meurtre. Qui d'ailleurs des mangas de Ace Attorney. Ben des mangas Ace Attorney tout court qui sont extrêmement durs à trouver aujourd'hui. Déjà à l'époque de leur sortie c'était pas évident de les trouver, mais maintenant c'est devenu une rareté. Et je regrette donc de ne pas avoir eu les thunes de les acheter à l'époque où ils étaient sortis. Ça devrait pas être drôle. Ça devrait vraiment pas être drôle. Voilà, donc elle est arrivée à 21h, à peu près l'heure où... En gros, elle est arrivée peu de temps avant nous, quoi. Hop, bon. Je vais rappeler à Maya que je suis avocat. Alors, du coup là on a plusieurs possibilités. Donc déjà on peut aller au cabinet d'avocat, retourner sur les lieux du crime. Déjà avant d'aller voir l'avocat dont tu parlais. On va avoir un des thèmes incroyables du jeu. Non mais oui, c'est... Voilà. Alors du coup, Nico, comment s'appelle-t-il? S'appelle-t-il Dictective? S'appelle-t-il Dictionnaire? Ou s'appelle-t-il Dictaphone? J'adore ce... Et en fait, tous les choix sont goldés. Enfin bon, t'as la bonne réponse, mais les deux autres choix sont vraiment goldés. La première réponse, bien sûr, oui, voilà, c'est détective. Alors, juste pour vous le dire, hein, oh, quoi que vous me direz, je peux vous le montrer. Je peux vous... Bon, ça va me demander de faire 1000 sauvegardes, mais vas-y. Hop. Que se passe-t-il si on appelle dictionnaire? Faut vraiment que je vous montre, parce que vraiment, les réponses, elles sont goldées. Dictionnaire, c'est bien ça? C'est ça, oui. Et ma soeur, elle s'appelle Robert. Du coup, c'est pour faire référence au petit Robert. Voilà. Voilà. Et, tac, tac. Quand on verra, elle va causer souci, mon dieu. Ouais, ouais. Et si on regarde pas que c'est Dictaphone. Monsieur Dictaphone, c'est bien ça? Inspecteur Dictaphone. Dictaphone. Ah merde, je me souviens plus de la blague comme ça. Et tout ce que vous pourrez dire sera enregistré et retenu contre vous. Et c'est moi qui m'occupe de cette affaire, alors t'es moi qui en haut. Voilà. Inspecteur machin. T'inquiète pas, Lirée, t'as rien raté. On a juste discuté avec Maya dans le centre de détention.
Et en gros, elle nous a appris qu'elle a eu une conversation au téléphone, bah, du coup la conversation qu'on a eue au tout début lorsqu'on a lancé l'affaire. Donc elle a informé Phoenix de cette discussion qui était enregistrée sur son téléphone portable. Et en gros, elle nous a donné une note à donner à l'inspecteur Tectif pour lui demander de, bah, qu'on lui rende son téléphone. Voilà. Ah oui, et t'as oublié, et c'est vrai que t'as raté le moment où Phoenix qualifie donc la statue du penseur de tueuse en série, du coup. Voilà. Mais j'aime trop le truc de quand tu l'appelles dictionnaire et qui dit que sa soeur s'appelle Robert. Vraiment, cette blague me fera toujours rire, même 15 ans plus tard. Et là, meilleur thème ever. Le meilleur thème ever. Enfin, tous les thèmes de Ace Attorney sont les meilleurs thèmes ever. Ah non, merde, c'est pas celui-là. Oh, on n'a pas encore son thème, Detective. Ah, je pensais qu'on l'avait direct là. Là, tout de suite, maintenant, je pensais qu'on avait son thème. Il a un thème incroyable, Detective. Là, c'est le thème d'enquête. Ouais, c'est le thème d'enquête, mais... Moi, je sais pas pourquoi, j'avais souvenir que c'était son thème qui se lançait là. Je me souvenais que c'était son thème à lui. Voilà, donc rapport on a le rapport d'autopsie de Mia, donc date du décès 509 à 21h. Trauma par coup violent, morte sur le coup. C'est le commissariat qui a son thème. Ah ouais. Bah, on reverra bien, mais c'est vrai que je m'attendais à l'entendre tout de suite. J'étais déjà en train de hype en me disant oh yes, on va voir le thème détective. Parce que le thème détective, bah, je l'adore autant que le perso. Donc c'est dire à quel point j'aime beaucoup son thème. Oh. Jadiel qui vient de m'envoyer des MP. Test, test, ceci est un message envoyé depuis les airs. Test, test. Attends, test, test. Ceci est un message envoyé depuis un stream. Attendez. Adziel qui est parti pour son taf. Ouais, je crois qu'il en avait parlé sur le chat il y a quelques jours. Qui est parti pour le taf et qui du coup est actuellement dans l'avion. Hop, voilà. Donc je vais lui envoyer un test. Ceci est un message envoyé. T'es gâché d'avoir tué Mia si tôt dans le jeu. C'est ce que je m'étais dit tout petit. Non, attends, c'est beaucoup trop chaud pour que je fasse ça. Effectivement. Alors, c'est le seul où il y a peut-être pas vraiment un véritable jeu de mots sur son nom. Bon, on va dire absolument pas pour que tout le monde ait le... Mais ce bon vieux Benji, voilà. J'ai entendu parler. Ce qui est absolument impossible, mais bon, passons. On est dans le monde d'Ace Attorney. Miles Edgeworth. Ouais, qui du coup a un... En soi, c'est un... Pas un... C'est un genre de jeu de mots en anglais. Mais en français, ben, c'est juste Hunter. Quoi. C'est... Alors Benjamin, j'ai jamais compris pourquoi. Et Hunter... Et Hunter, on va dire que c'est juste par rapport au côté... un avocat impitoyable. Tu vois, comme un chasseur, quoi. C'est vraiment... C'est un... Enfin, en gros, c'est chasseur par rapport à un prédateur. En gros. Voilà, grossièrement. En anglais, c'est en gros Miles Edgeworth. C'est grossièrement pour dire 1000 coups de lame. Et en parlant de la lame, c'est pour faire référence au glaive de la justice. Voilà. Est-ce qu'ils auraient dû laisser Miles Edgeworth sur la trace de Benjamin Hunter? Bah, en vrai, je me suis attaché à l'appeler Benji, moi. C'est juste. Voilà. Et procureur, ouais, mais bon. Procureur, avocat, tous les mêmes. Mmh.
Voilà, bon, du coup, bon, bah, on a fini de taper à discute avec l'inspecteur, on peut y aller. Quel ennemi? Ouais, je peux. Pour le moment, je peux encore faire le malin parce que je connais assez bien le jeu, donc. voilà, vous inquiétez pas, je ferai pas autant le fier quand on sera sur les affaires dont je me souviens moins. Parce que oui, on a la note de la petite lettre de Maya qui demande gentiment au détective de y rendre son téléphone. Ouais, attendez. Bon, on va l'embobiner. La code est bloquée. T'inquiète, Lyra, ça va aller. T'inquiète, on a juste discuté avec lui. On a eu 2-3 petites infos, ça et là, mais rien d'encore très crucial pour l'affaire. Vous me dites si j'en fais trop, hein. Du coup, ça, vous le mettez dans votre inventaire et on en reparle plus tard. Voilà. Je me demande si c'est important. Mettez ça dans votre inventaire et on en reparle. Inventaire mis à jour. C'est vraiment faux. En fait, il va falloir une fiche de personnage façon Donjons et Dragons. Hein. Et ensuite, vous avez la page qui établit votre inventaire et vous notez tout ça. J'aime bien. Sa manière d'absolument nous drop toutes les infos en nous disant non, mais je vous dirai rien. Hein. Bah écoute, tu te notes ça sur les fiches du PNJ que tu dois faire interagir avec les protags. Ok. Donc, deux nouvelles choses. L'hôtel Gatewater, donc où apparemment la personne qui a été témoin du meurtre et qui a appelé la police, qu'on a vu à la fenêtre, et encore actuellement, on lui a demandé de rester dans sa chambre d'hôtel. Ou alors pour retourner au centre de détention pour Maya. Alors, je crois savoir ce qui se passe si on retourne au centre de détention. Ah non, même pas. Parce qu'en fait, des fois, en fonction des events que tu déclenches, par exemple, il y a des moments où Maya ne sera pas disponible. Où Maya, par exemple, elle sera encore en train d'être interrogée ou tout ça. Donc j'étais en train de me dire, ah, c'est peut-être ce genre de phase où, pour te forcer à aller dans l'hôtel, il retire Maya pour le moment. Bon, bah, du coup, on va pouvoir... Voilà. Ceci est absolument nécessaire. Hop. Bon, allez, rendons visite à témoin. Putain, le pire, c'est que cette musique lui correspond tellement. Oh merde, putain, j'avais oublié. J'avais oublié les réactions de Phoenix.
Mon lance-flamme. C'est pas moi qui pleure, c'est vous qui pleurez, ouais. Le bénite, s'il vous plaît. Alors, qu'avons-nous là? Bah, si, là. Et derrière le soleil d'été, entre par la fenêtre. On voit le bâtiment du cabinet fait écho, bien entendu. On peut voir l'intérieur de la pièce assez facilement d'ici. Quoi qu'il me paraît assez utile de reconnaître un visage de cette distance. Par contre, la musique est trop bien. Pardon. Comme d'hab, je me porte tout le temps. Oh, moi, fouiller dans les affaires des gens, j'oserais pas. Wasted. Bon, maintenant qu'elle est revenue. On va dire que la musique, c'est la seule satisfaction qu'on peut avoir à partir de là. J'en peux plus de ce sprite, t'as encore rien vu. J'aime bien, c'est que quasiment tous les dialogues se terminent par Phoenix qui dit pauvre de moi. Mes yeux. Ouais, mes yeux, ouais. Effectivement, mes yeux, ouais. Ouais. Bon, est-ce qu'on a quelque chose à y présenter de particulier, nous? Je lui rappelle que je suis avocat. Mais ouais, je suis rendu à ça, j'avais beaucoup de roses. La fichature, ouais, c'est beaucoup de roses, oui, c'est ça, beaucoup trop de roses, oui. Le rose, oui, beaucoup trop de le rose. Alors, on n'est pas encore venu là, mais là, c'est ça, voilà, l'avocat en question, Monsieur Rosenberg, n'est plus là. Je pourrais peut-être l'attendre ici. Ah, voilà, parce que... Alors, en gros, si... C'est vrai qu'excusez-moi, c'est... Je vais avoir des petits réflexes comme ça. Si on y va tout de suite, avant d'être allé voir la témoin, avant d'avoir présenté le téléphone à Maya, tout ça, en gros, il y a juste sa secrétaire qui vous dit, il est parti pour un rendez-vous, il revient. Voilà, et ça, c'est la cinématique qui se déclenche quand il est revenu de son rendez-vous.
Et en plus, elle a... En plus, elle a rose, donc c'est encore pire. Oui, c'est... C'est le rose qui... Problématique dans ce design. Le rose, oui. Effectivement, oh là là, trop de rose. Mes yeux. Ouais, c'est ça, c'est premier contact déjà chelou. Ah, mais désolé, je vais me mettre à chanter toutes les OST quand je vais les entendre, mais. C'est un bien beau tableau que vous avez là. Là, je te jure, là avec cette musique, moi j'ai. Il y a l'ambiance. C'est film noir des années 60. Avec le détective avec son chapeau. En train de siroter un bourbon, assis à son bureau. En train de regarder un gigantesque tableau accroché devant son bureau. Ah, il y a une vibe un peu comme ça quand même. J'aime trop ce twist. On est très intéressé par la vérité à ce que je vois, ouais. Un beau tableau que vous avez là. Sinon, défendre Maya, ce serait trop demandé, oui. Très beau tableau en tout cas. Si. Oui, c'est bon, je vous ai dit que c'était un très beau tableau. Foutez-moi la paix, pitié, s'il vous plaît. Une peinture à l'huile complexe peut mettre des mois, voire un an à sécher complètement. Oh mon Dieu. Bon, du coup, défendre Maya, c'est trop demandé? J'avais oublié que cette phrase n'était pas dans sa tête. Parce qu'en gros, grossièrement dans les Saturnies, hein, la typo, c'est tout ce qui est écrit en blanc comme ça, c'est les dialogues normaux. Et quand on est dans la tête du personnage, dans ce que c'est, on est dans les réflexions de Phoenix, c'est écrit en bleu entre parenthèses. Là, il vient vraiment de le lâcher sale type en Rosenberg comme ça cache. Mais vous pouvez pas aider Mia. Enfin, vous pouvez pas aider Maya. C'est quand même la sœur de Mia Fey. Mia vous faisait confiance. Désolé, je peux pas, connard. C'est vraiment l'ambiance. Il n'a pas tort. Ah non, par contre, il a complètement raison. J'avais juste oublié à quel point l'échange était cash. J'avais oublié ce détail. Pour moi, le sale type, il était dans la tête de Phoenix. Il n'était pas lâché comme ça, direct. Bon, en vérité, on a encore ça. Ça, vous le gardez dans votre inventaire aussi. Va y avoir beaucoup de choses à mettre dans l'inventaire, hein. Par contre. Il y a beaucoup de choses à mettre dans l'inventaire. J'espère que votre sac est assez grand. Prenez plutôt un sac de randonnée.
Genre, il faut au moins un sac à dos et une sacoche de voyage. Voilà. Et surtout, oubliez pas d'avoir un minimum de stats en force quand même, parce que sinon ton perso il pourrait soulever que dalle. Alors d'ailleurs, fun fact, des fois les stats sur Donjons et Dragons ça donne des trucs assez rigolos. C'est que du coup, mon guerrier qui est une gigantesque force de la nature, un gigantesque bourrin d'1m90, 110 kilos, et c'est pas du gras. Et en fait, du coup, quand tu prends ses stats de force et que tu fais tous les calculs par rapport à la charge qu'il peut porter, tout ça, les charges qu'il peut tracter, pousser, mon perso est littéralement apte à tracter 750 kilos. C'est-à-dire qu'à pas grand-chose, mon perso, il est capable de pousser une caillasse d'une tonne presque. Il y a aussi une pochette secrète qui se porte sur le vêtement tant qu'à faire. Oui, ça c'est plutôt pour les roublards, ça. Moi je suis guerrier, moi, j'ai mon sac à dos, ma sacoche. Et celui qui essaye de s'en emparer, disons que... Alors avec les level up et les gold qu'on a gagné le temps d'une campagne, mon guerrier c'est littéralement devenu un chevalier de Dark Souls. Hein. Mais genre vraiment, j'ai un bouclier à pointe, j'ai une armure à pointe. Avec une épée à une main. Et la grosse épée à une main. Enfin grosse, le plus gros que tu puisses avoir quoi. C'est la bonne grosse épée d'acier. Et du coup moi quand je te fais des shield bash, je t'empale avec quoi. Et ça c'est beau. Bon, du coup si je me souviens bien à partir de là tiens, tu te souviens que je suis avocat. Chevalier pique. Mais en vrai c'est très pratique hein. Alors si je dis pas de bêtises, maintenant faut retourner voir Maya pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Ne pas oublier que c'était à 16h qu'elle avait. Elle avait jusqu'à 16h pour prendre une décision. Non. Oui, elle est pas bête. Ah, musique encore plus de la déprime. Je suis l'avocat I'm doomed. T'imagines même pas. Ah oui, alors j'y pense parce que là, clairement, je vous le dis sans rentrer dans le détail, mais c'est un dialogue extrêmement important. Enregistrez bien toutes les informations qu'on donne. Vraiment, il y a des dialogues, y a des dialogues qui sont très importants. Je pense que la musique vous le fait deviner, ce dialogue est extrêmement important. Tâchez de vous en souvenir. Tâchez de vous souvenir de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dont il va falloir se souvenir au fil de la série. C'est un truc qu'il faut savoir hein, au niveau d'Alice Attorney, c'est que c'est une histoire qui se suit. C'est-à-dire que entre chaque épisode, les années passent, mais du coup, c'est pas des suites qui ont rien à voir, c'est vraiment des suites chronologiques et qui se suivent. Et donc, des fois, t'as des éléments d'anciens jeux dont il va falloir que tu te souviennes, parce qu'ils vont être impliqués dans des affaires suivantes, par exemple. Donc, je tiens à vous le dire tout de suite. Gardez bien en mémoire toutes les informations que vous pouvez. Le fait qu'il va y avoir des VOD, c'est bien, c'est comment vous pouvez aller les rechercher si vous voulez. Mais voilà. Notez que ces informations-là sont toujours très 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 importantes.
Kingdom Heartception. Non, vraiment. Bon, Kingdom Hearts, c'est débilement compliqué. Ace Attorney, c'est plus une suite logique d'événements, en fait. C'est plus des événements qui vont être plus intrinsèquement liés les uns aux autres. Certains qui vont y faire juste référence à d'anciens événements, d'autres qui vont carrément être une conséquence d'eux, d'autres qui sont la suite de. Voilà. Il y a pas mal d'affaires qui vont être connectées aux autres. Voilà. Donc juste faites votre maximum pour retenir le maximum d'informations. Le maximum d'informations de toutes les affaires. Parce que des fois, il y a des éléments qui peuvent avoir l'air anodins qui finalement vont être plus importants qu'ils en ont l'air. Et quand je vous dis ça, c'est genre. Attends, comment je l'explique sans spoil? Attendez, laissez-moi juste un instant pour bien y réfléchir. Ouais, grossièrement. Essayez de vous dire que des choses dont on entend parler de là, ça va être utile. Genre, 5 jeux plus tard. Voilà. Bon, en fait, c'est pas exactement ça, mais dans l'idée, c'est quand même pas si loin que ça. Voilà, j'essaie de rester vague autant que possible et surtout viser loin. Comme ça, au moins, dans l'immédiat, vous n'êtes pas trop prévenu d'avance. Mais vraiment, il y a des éléments qui sont très importants dans la série. Et il faut vraiment se souvenir des éléments parce que très souvent, ils vont être cités, réutilisés. Enfin, voilà. Je le disais dans le sens, tu skips un jeu et t'es mort. Ah oui! Oui, pardon, d'accord. Oui, vu comme ça, c'est exactement ça. Oui, effectivement, comme ça, c'est exactement ça. Si tu loupes un épisode, t'es mort. Parce qu'en plus, du coup, les épisodes sont liés chronologiquement. Donc des fois, des personnages que tu auras rencontrés dans une affaire, le jeu suivant, tu le retrouveras dans une autre affaire, par exemple. Tu peux aussi avoir des trucs comme ça. Ou des personnages qui vont être récurrents entre les affaires. Mais du coup, la relation entre Phoenix et ces personnages-là va évoluer au fil des jeux. Et donc du coup, sa relation avec le personnage dans le premier jeu sera pas du tout la même dans le cinquième. Je lâche des numéros au hasard, hein, juste pour vous dire. Je lâche des numéros au hasard. Mais c'est juste pour transmettre l'idée. Qu'on va voir la dame en rose. Putain, il commence à faire chaud ici. Oh putain, il y a un cousin qui est rentré chez moi. Oh chier, je déteste ces bestioles. Je sais que c'est inoffensif, mais je déteste les insectes. Voilà, 16h, nous y sommes. Ah, je crois qu'elle est là, cette fin. Attendez, je crois que c'est ici. Je crois que c'est là qui. C'est là que tu peux faire la blague. Bon, bah, salut Maya. Hein. Bon, bah, j'ai plus rien à faire. Hein. Bonne soirée à vous. Hein. Oui, voilà, c'est ça dont je me souvenais.
Ils l'ont, voilà, c'est de ça dont je me souvenais la dernière fois. C'est vraiment le bon, c'est vraiment le même genre de fin comme la merde, comme la fuck this shit de Digimon Survive. T'es en mode bon bah salut hein. Elle sort entre de bonnes mains. L'avocat des yeux de fils boulet. Oh, ce thème. True story, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Ah, j'aime trop ce jeu. D'ailleurs, dans l'animé, il y a une scène très rigolote là-dessus. Parce qu'il y a un animé Ace Attorney. Que je peux difficilement conseiller parce qu'il était vraiment pas ouf. Apparemment la saison 2 s'est bien rattrapé. Parce qu'en gros ils ont fait toute une saison 1 qui fait tout le premier jeu. Et après ils ont fait une saison 2 qui faisait Justice for All et Trial and Tribulation. Et alors autant la toute première, vraiment elle était pas ouftière. C'est pas mauvais mais voilà. Mais apparemment, voilà, alors je ne l'ai pas regardé parce qu'en fait, la saison 1 m'a tellement refroidi que j'ai pas eu envie de regarder la saison 2. Mais exactement ce que tu dis, cher Wolf, et c'est le retour que j'ai eu de gens qui ont eu plus de courage que moi, qui se sont dit, bon allez, c'était pas ouf la première, mais vas-y, je vais quand même regarder la deuxième. Et qui m'ont dit qu'ils se sont vachement améliorés sur la saison 2. Ils se sont vraiment rattrapés par rapport à la première saison. Mais donc, ce que je voulais dire, c'était que du coup je crois que c'est ce moment, cet instant là où t'as une scène très mignonne du coup où en fait t'as Phoenix et je vous défendrai, comment ça, et en fait du coup les deux en fait les deux sont en train de se hype l'un l'autre et après à la fin ils essayent de se remercier, donc du coup la japonaise en s'inclinant, sauf qu'en fait ils ont tous les deux oublié qu'ils étaient devant une vitre, ils étaient rapprochés face à une vitre et bonk, ils se bonkent tous les deux en même temps. Ils auraient pu mettre des OST remake pour le remaster, mais ils ont préféré garder les OST de DS et GBA. C'est la meilleure décision ever. Mais tu sais que déjà, techniquement, les OST DS, c'est des remakes des OST GBA déjà. Est-ce qu'on peut tous prendre un moment pour juste capturer cette image dans notre tête et de nous rappeler que un des objectifs dans notre vie est aujourd'hui de défendre ce sourire, à n'importe quel prix. Je n'ai pas encore fini, j'ai trop d'animés pour le moment, mais le seiyuu de Sanji pour Coffee Man, ça passe crème. Bah c'est le seiyuu de Zenkichi, je crois. Je crois que c'est lui aussi. C'est Zenkichi, c'est Zenkichi et Logan Stratos du coup. C'est ce que j'allais dire. À propos de quoi? Ah, pour le sourire de Maya. Allez, j'aime bien quand le jeu te dit discrètement ce que t'es censé faire. Je me remets pas du flic derrière. En vérité, je trouve que c'était beaucoup moins perturbant à l'époque, du coup, avec quand c'était pixelisé, quoi. Quand tout était pixelisé et moins dessiné, je trouve que ça rendait un petit peu mieux. Je sais pas, j'ai un peu... Pour être parfaitement honnête, hein, je suis beaucoup plus attaché au style pixelisé qu'il y avait dans... Bah attendez, juste, je vais voir si je peux réussir à le trouver, tiens. Attendez, hop.
Hop, juste le majordome, mais est-ce que je peux trouver sa version pixelisée? Pour juste pour vous voyez. Je sais pas, je trouve qu'il y a des designs bizarrement, pour moi il passait beaucoup mieux en pixel que maintenant. C'est, mais je sais que c'est un truc qui avait fait un petit peu débat, c'est un grand mot, mais ah putain, l'image est trop petite, c'est terrible. Mais passer du style full pixel au style dessiné, on va dire que ça s'est pas fait sans déplaire à beaucoup. Et moi, pour ma part, j'ai tellement joué au jeu avec les avec tout en pixelisé que je m'y suis beaucoup attaché. Et oui, il est sur Switch parce que bah, je suis littéralement sur ma Switch. Traduit qui se balade, oui, ça va, tout va bien. Wink, wink. L'animé d'Alice Saturn et bof, le doublage anglais. J'ai jamais vu ça. Ah non, par contre, le doublage anglais, il est incroyable. Les bloopers, donc les scènes ratées de la version anglaise de Ace Attorney, c'est du fun en barre. Mais genre, vraiment, je peux me les repasser en boucle et toujours autant crever de rire. Genre, véridique, en gros, les comédiens qui faisaient l'animé Ace Attorney, ils étaient dans le délire, mais genre jusqu'au bout. Et des fois ils partaient en mode impro, mais en mode limite c'était du shitpost total. Genre limite vraiment, t'as l'impression que c'est des scènes, t'as l'impression que c'est des extraits d'une série abrégée à l'ancienne. C'est vraiment, ça ressemble à une série abrégée, mais non, c'est juste le doublage anglais qui s'éclate. Vraiment, mais c'est à crever de rire, vraiment. Bon, du coup, allez pas les voir tout de suite parce que vous allez sûrement vous spoiler les jeux, mais. Mais alors, par contre, les bloopers de la version anglaise, c'est une œuvre d'art. Qu'est-ce que ce blanc d'œuf a? Ouais, tout ça, quel blanc d'œuf? Alors comme ça, on a une bande d'écoute téléphonique. Je pense que je vais me prendre pour faire du côté. Ah mais vas-y hein. Vas-y, vas-y, go go go. Je vais appeler White Blanc d'œuf. Ah! Pardon, trop de face-spam qui s'enchaînent là. Voilà, première phase d'enquête terminée. Et bien, nous allons sauvegarder. Bah, on va essayer une preuve obtenue illégalement. Non, une preuve obtenue suite à une investigation réalisée dans les règles de l'art. Aussi appelé l'art du cambriolage. Allez, c'est reparti pour le vif du sujet. Ah.
Ah, Benji, que je suis heureux de te revoir, mon ami. Oh tiens, je me souvenais plus qu'il y avait ce loupé là où t'as Hunter lui-même qui dit vous pouvez appeler votre premier témoin. Sans, non, l'accusation va appeler son premier témoin. Voilà. Salut Ben Saboum. Salut Jules, ça va? Allez, détective. Et je vais avoir une anecdote à vous raconter. Mais ça, c'est quand je vous laisserai galérer. J'espère juste que... Bon bref, j'en parlerai après. Monsieur, on est détective, monsieur. Ça sert à rien, monsieur. Ok, Derek. It's investigation time. Détective, monsieur. Hop, donc les plans qui viennent d'être présentés. Et on rappelle, voilà, l'arme de crime sur une statue, mais c'est une pendule fabriquée par Paul Defes. Alors. Ah, j'avais oublié que dans le premier jeu c'était monsieur. C'est pas une statue, damn it! T'sais, j'imagine vraiment Paul débarquer en plein mais c'est pas une statue! Arrestation de Mayafé, déposition du témoin. Alors, dès que nous avons reçu l'appel, je me suis précipité sur les lieux du crime. Il y avait déjà deux personnes sur place, l'accusé, Mayafé, et l'avocat, monsieur Phoenix Wright. J'ai immédiatement arrêté mademoiselle Mayafé. Pourquoi? Parce que nous avions reçu la déposition d'un témoin la décrivant. Le témoin a vu mademoiselle Mayafé au moment même du crime. Voilà. Voilà. Vous pouvez interroger le témoin. Oui, votre honneur. L'interroger, mais sur quoi? Je n'ai laissé aucune contradiction dans ce témoignage. Et effectivement, il n'y a aucune contradiction dans ce témoignage. Jean. Et c'est parti pour la nouvelle mécanique. Lorsque ma sœur ne trouvait aucune contradiction dans la déposition d'un témoin, elle bluffait et interrogeait le témoin sur chaque détail. Le témoin fait toujours une gaffe et dit quelque chose d'incohérent. Cela a fonctionné un tas de fois. J'arrête de me douter que Maya connaissait certaines astuces de sa sœur. Voilà. Et donc, je vous avais dit que j'avais une touche, un bouton L pour lors des procès, mais qu'on s'en servirait au moment opportun. Et bien, c'est pour maintenant. Que par exemple là dans les faits, le contrat la déposition du témoin ne contient aucune contradiction. C'est lors de l'attaque. Voilà, il y a rien de personnes sur place, l'accusé. J'ai immédiatement arrêté mademoiselle Fay. Pourquoi? Parce que nous avons le témoin a vu mademoiselle Fay au moment même du crime. Bon. Donc qu'est-ce que c'est l'attaque? Et en gros, c'est on s'attarde sur les phrases. En gros, chaque déposition du témoin peut être attaquée afin d'essayer de soutirer plus d'informations aux témoins. Et donc du coup, en soutirant des informations, ça va soit... Certaines vont juste débloquer des dialogues qui vont soit mener à rien, soit ne servir à rien, soit te donner quelques indices hein, sur ce que tu dois présenter comme preuve. Ça peut te donner des petits indices sans être la contradiction en soi. Certaines sont des pièges. Des fois, quand tu attaques, tu tombes dans un piège et tu perds. Donc faut faire attention, tu peux pas spammer comme un débilus. Souvent si, mais pas tout le temps. Et des fois, ça va amener un changement de la déposition du témoin, parce qu'en fait, lorsque tu vas l'interroger, il va lâcher une information
qui, si elle est assez importante, mérite d'être ajoutée, et souvent cette information contient une contradiction. Ou alors ça lance directement un nouveau contre-interrogatoire relatif à cette information, ou alors, enfin voilà, ça... C'est justement, ça permet de dévoiler des informations et de faire avancer le contre-interrogatoire. Donc alors, le gameplay le plus débilus que tu puisses faire sur Ace Attorney, du coup, suite à ça, c'est littéralement, tu attaques toutes les phrases et tu regardes ce qui se passe. C'est de base une très bonne technique quand tu sais pas trop quoi faire. Quand tu trouves pas de contradiction, tu peux attaquer toutes les phrases. Déjà pour avoir un petit aperçu de est-ce que tu as de nouvelles informations, est-ce que tu as de nouvelles pièces à conviction. Parce que des fois ça peut mettre en lumière certaines pièces à conviction ou mettre à jour une pièce à conviction. C'est vraiment très important. En mode, ah oui tiens, j'ai oublié ce détail, laissez-moi rectifier. Oui voilà, c'est ça. C'est en fait, tu lui poses une question parce que, mais au fait... Et après quand il te répond c'est, bah vous l'avez pas dit dans votre témoignage. Ah merde, c'est important pour vous. Bon bah on l'ajoute. Et en fait, bah quand il ajoute, bah ça crée une contradiction. Voilà. Donc, par exemple, là, ça, c'est un truc qui mène à rien. Donc, un exemple d'attaque qui peut être utile. Par exemple, alors, il y avait déjà deux personnes sur place. Lui demander plus d'infos là-dessus, on s'en fout un petit peu. L'accusé, mademoiselle Maya Fey, l'avocat Phoenix Wright, on le sait, on était sur place, il n'y a pas besoin de creuser cet aspect-là. J'ai immédiatement arrêté de mademoiselle Maya Fey. Pourquoi donc? Un instant. Voilà, pourquoi est-ce que vous avez arrêté? Enfin, pourquoi vous avez arrêté Maya immédiatement? Pourquoi? Parce que vous avez reçu la déposition d'un témoin indécrivant. Parlez-en en plus du témoin. Voilà. Et donc dirais, si tu es encore là, tu te souviens avant-hier, quand on était sur la première affaire, et que t'essayais déjà de lier des phrases avec ce qui avait été dit précédemment, mais des phrases ou des éléments qui étaient en dehors du contre-interrogatoire, et que je te disais, te prends pas la tête, réfléchis pas plus que ça, c'est garde ça pour plus tard, c'est maintenant que c'est utile. Parce qu'en fait, en attaquant, tu mets en lumière, en fait, des fois des contradictions par rapport à des choses qui avaient pu être dites précédemment. Ou même parfois, tu attaques une phrase. Attaquer une phrase donne accès à une nouvelle information qui fait que lorsque tu vas en attaquer une autre, quand avant, sans avoir cette info, cette attaque ne servait à rien, là maintenant, ce que le témoin va te dire suite à cette attaque, c'est « Mais attends, tu viens de me dire autre chose, deux phrases plus loin, tu me dis le contraire. » Voilà. Voilà. Donc c'est là qu'on commence à vraiment s'amuser dans les phases de procès avec Ace Attorney, parce que les contradictions, c'est bien, mais à partir du moment où il va falloir... creuser les dépositions des témoins, relier absolument tous les éléments entre eux et essayer de se souvenir, mais attends, du coup, qu'est-ce qui m'a dit avant le témoin qui permettrait de dire que cette phrase qu'il est en train de me dire est méga chelou, il n'y a pas de contradiction, mais c'est chelou par rapport à ce qu'il m'a dit avant. Bah voilà, c'est maintenant qu'on commence à vraiment s'amuser. Parce que là, du coup, c'est ouais, j'ai immédiatement arrêté Maya Fey, on a un témoin, mais attendez, vous m'avez dit que vous l'avez arrêté parce que vous avez des preuves irréfutables, pas une déposition de témoin, des preuves irréfutables. Et ça, c'est ce qu'il a dit avant. C'est ce qu'il a dit avant de faire sa déposition. J'adore la tronche de détective quand il se met à réfléchir un peu. Voilà, et donc là, bah, il se rend compte, bah zut, c'est vrai que j'aurais peut-être dû vous dire d'autres choses avant, bon bah attendez, on refait un nouveau témoignage. Hop, nouvelle déposition. Parce que la précédente, il n'y avait aucune contradiction, là maintenant je l'amène à faire une nouvelle déposition, qui elle, par exemple, pourra peut-être contenir une contradiction. Donc après m'être occupé du suspect, j'ai passé le lieu du crime au peigne fin. J'ai trouvé une note écrite sur un bout de papier à côté du corps de la victime. Sur cette note, le mot Maya était clairement écrit avec du sang. Les résultats du labo ont démontré qu'il s'agissait du sang de la victime. On a également retrouvé du sang sur le doigt de la victime. Avant de mourir, la victime a écrit le nom de son assassin. Alors, qu'est-ce que vous en dites? La voilà, ma preuve irréfutable. Et donc, maintenant, on va pouvoir passer d'un au contre-interrogatoire et de deux à mon anecdote. Comme ça, si jamais vous galérez sur les affaires, je vais vous aider à relativiser un bref instant.
Et quand vous me voyez faire le malin pour le moment parce que je connais le jeu quasi par cœur, vous inquiétez pas, j'en profite parce que maintenant je peux le faire. Tout simplement parce qu'on va pouvoir commencer ce contre-interrogatoire, je vais poser ma manette et vous expliquer que... On va se mettre quand même une bonne petite musique. Ce contre-interrogatoire, la toute première fois où j'ai fait le jeu, la toute première fois où j'ai joué à Ace Attorney, quand je découvrais le jeu, je suis resté une semaine dessus. Véridique. Alors, pour le dire, il y a une technique à la con dans Ace Attorney qui s'appelle « Je sauvegarde, je présente, non, je présente, non, je présente, non, je présente, non, je présente, ah, game over, je recharge ma sauvegarde, je présente, non, je présente, non, je présente, non, je présente, non, c'est bon, il n'y a pas de contradiction sur cette phrase. Phrase suivante, je présente, game over, je recharge. » Voilà, tu peux faire une technique comme ça dans Ace Attorney, vraiment, si tu te saoules, tu peux le faire comme ça, hein, ça marche. Parce qu'il y a bien un moment où tu vas tomber sur la bonne preuve, sur la bonne phrase. Il y a bien un moment où ça va fonctionner. C'est une petite faille du gameplay, mais bon. Sauf que moi, je me refusais à faire ça. Je m'y suis refusé. Moi, c'était quand que j'ai joué au jeu? Bonne question. Je devais avoir 14 ans. Je crois que j'avais 14-15 ans hein, quand j'ai joué à ce jeu. Quand j'ai fait Ace Attorney pour la première fois. Et en fait, vu que je me refusais à balancer des preuves au hasard, j'ai passé ça en boucle. J'étais comme ça. Putain. Et j'avais attaqué toutes les phrases. C'est pas comme un jeu d'aide qu'une opération de la PLS. En vrai, j'ai passé plus facilement l'opération réveil de Trauma Center que ce contre-interrogatoire. Hein. L'opération réveil, il m'a fallu une journée et demie hein, pour y arriver. J'ai fini, j'avais les mains comme ça. Mais j'y suis arrivé, il m'a fallu... Disons que j'ai essayé un petit peu un après-midi, ça m'a saoulé, j'ai dit bon je réessaye demain et le lendemain je me suis acharné dessus et ça finit par passer. Et il s'attendit, c'est genre c'est le jeu tous les jours et... Putain mais c'est quoi? C'est quoi? Putain mais c'est quoi le rapport? Du coup... Ce qu'on va faire, parce que moi je sais ce qu'il faut faire. Je vais vous demander, étant de réveiller le cerveau. Alors, on va refaire un petit point. Tous les éléments que nous avons actuellement. Je ne vais pas attaquer toutes les phrases comme un débilus. Je vous dirai si je... Bon ok, le jeu a décidé à ma place. J'ai cogné comme ça ma manette. Ouais, vous trouvez des preuves. Bon bref, allez, vous allez au moins voir celui-là. Bon, la manette qui me dit nope. Attaque. Gameplay. Donc, je disais, on va refaire un petit point pièce à conviction et des positions. Je ne vais pas attaquer comme un idiot, sauf si moi-même je me souviens plus. Là, je me souviens parfaitement ce qu'il faut faire. Donc, encore une fois, je vais jouer à ça tant que je peux le faire. À partir du moment où je ne sais plus, bon, bah, on va chercher ensemble et j'attaquerai un petit peu. Et là, par contre, j'attaquerai au hasard comme un débilus. Voilà. Ou si je me souviens quelle phrase faut attaquer, ou j'ai un doute, bon, voilà. Là, pour le moment, tant que je sais, je vais faire le malin. Laissez-moi profiter tant que je peux le faire. Donc, actuellement, afin de résumer un petit peu le dossier de l'affaire, nous avons toujours ce badge d'avocat aussi délicieux, le rapport d'autopsie de Mia, qui indique donc qu'elle est morte le 5 septembre à 21h, et la cause de la mort est un trauma par coup violent. Il est également mentionné qu'elle est morte sur le coup. C'est, elle a reçu le coup, boum, elle était morte. C'est, voilà. Elle s'est fait one shot. Elle n'a pas eu le temps d'agoniser ou quoi. Voilà. Contient une conversation entre la patronne et Maya, donc c'est la conversation entre Maya et Mia qu'on peut lire ici. Donc, Mia, quoi de neuf? Ça fait un moment que tu m'as pas appelé. Et bien en fait, je voudrais que tu gardes quelque chose pour moi. C'est une pendule. Elle a la forme de cette statue, le penseur. Et elle dit leur. Ah, au fait, il faut que je te dise, la pendule ne part plus. La pendule ne part plus. Oh, elle marche plus? Quel dommage. J'ai dû retirer le mécanisme. Désolé, j'ai glissé les documents à l'intérieur à la place. Des documents? C'est ça l'épreuve alors? Pense ce que tu veux. À ce soir, 9h. Voilà, donc nous avons cette discussion entre Mia et Maya. Nous avons les restes d'un lampadaire en verre brisé dans le bureau de Maya. Les débris ne sont absolument pas identifiables. Alors, pour vous donner le plan, on peut revoir... Ah, est-ce que je... Non, je peux pas mettre ma souris. Bah oui, ça, c'est sur Switch. Je peux pas mettre la... Mais donc, on peut voir en bas à gauche le lampadaire brisé par terre.
dont les fragments sont visibles. Du coup le cône de lumière, ça montre l'angle de vue, ce qu'on peut voir depuis l'extérieur, ce qui est visible depuis l'extérieur. Voilà, ça nous donne le POV. Voilà. Ensuite, nous avons la statue du penseur. Elle ressemble à une statue, mais c'est une pendule fabriquée par Paul. Nous avons trouvé une bande d'écoute téléphonique dans la chambre d'hôtel de Mademoiselle Machavril et le reçu d'un grand magasin au dos duquel le nom de Maya a été écrit avec le sang de Mia. Confirmé par le labo, ça, c'est bien le doigt de Mia avec son propre sang qui a écrit ça. Donc, reprenons les phrases une à une. Après m'être occupé du suspect, j'ai passé le lieu du crime au peigne fin. J'ai trouvé une note écrite sur un bout de papier à côté du corps de la victime. Sur cette note, le mot Maya était clairement écrit avec du sang. Les résultats du labo ont démontré qu'il s'agissait du sang de la victime, donc c'est ce que je disais. Ça a été confirmé que c'est bel et bien le sang de Mia ainsi que son doigt qui a été utilisé pour écrire cette note, car on a retrouvé du sang sur un de ses doigts. Et on a également trouvé du sang sur le doigt de la victime, voilà. Donc c'est... Avant de mourir, la victime a écrit le nom de son assassin. Seven Flame, et c'est tout. Bon, il va bien avoir un élément contradictoire là-dedans. Essayons de voir. Bande d'écoute trouvée illégalement, bien sûr. Trouvée suite à une minutieuse investigation. Du coup, est-ce que quelqu'un a une petite idée? Je pense que quelqu'un a une petite idée, mais je demande confirmation quand même. Après, si jamais vous voulez que j'attaque une phrase en particulier, dites-le. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut voir le nombre de... Ah putain, on peut voir le nombre de lines. Bon, bah faudra me dire, mais... Mais pas forcément Mia elle-même qui a écrit du coup. On n'a pas plus d'éléments. Du coup, est-ce que quelqu'un parmi vous a une petite idée ou veut que j'attaque une phrase en particulier? Aussi, si vous voulez plus d'éléments à certains sujets, je peux aussi faire une attaque, si vous voulez. Bon, comme d'hab, je vais balayer, hein. Pour le moment, les attaques vont pas perdre de crédibilité. Ouais, ouais, tu peux... On peut attaquer comme des débilus, hein. En vérité, les attaques qui te font perdre de la crédibilité sont quand même assez rares dans le jeu. Et très souvent, on te met en garde. Très souvent, on te met en garde de... genre, ne pose pas plus de questions que tu n'en as besoin, par exemple. Ah, moi, je vibe, hein. Là, c'est... Prenez votre temps, réfléchissez. Tu peux remontrer les preuves. Alors comme preuve, nous avons le badge d'avocat, donc toujours très important pour rappeler que nous sommes avocats. Le rapport d'autopsie de Mia qui indique qu'elle est morte la nuit du 5 septembre à 21h, que la cause du décès est un trauma par coup violent et qu'elle est morte sur le coup. Le téléphone portable de Maya, donc avec la conversation qu'elle a eue avec Mia le matin du meurtre. Des éclats de verre qui viennent d'un lampadaire brisé dans le bureau de Mia. La statue du penseur fabriquée par Paul, donc que Paul avait offert à Mia à la fin de la première affaire. Une bande d'écoute téléphonique que nous avons retrouvée dans la chambre de Mademoiselle Machavril qui a été témoin du meurtre. Et un reçu d'un grand magasin au dos duquel le nom de Maya a été écrit avec le sang de Mia. Attaque à partir de la quatrième phrase. Ok. Et pour rappel, la scène du crime, le plan de la scène du crime, on peut voir du coup le lampadaire brisé en bas à gauche, et la partie éclairée, c'est le POV que tu as depuis l'extérieur. Donc tout ce qui est éclairé est ce qui est visible depuis l'extérieur du bureau. Ah ouais, vous inquiétez pas, hein, dites-vous que moi j'ai passé une semaine là-dessus, hein. Véridique. True story, bro. 1, 2, 3, 4. Donc les résultats de labo ont démontré qu'il s'agissait du sang de la victime. Tu veux que je commence de là, Shira? Tu me dis, hein. J'attends juste que tu me confirmes pour être sûr. Mais si tu veux que j'attaque à partir de là, bah allons-y. Hein. Oui, ok.
J'avais oublié ce dialogue. Il ne parlera qu'en présence de son avocat. Oh, ça y est, ça commence. Ça commence déjà. Traduction française, hein. Bon, bah écoute, ce sera pris sur ton salaire, Tective. Ta connerie sera prélevée sur ton salaire. On a également... Hémoglobine. On a également trouvé du sang sur le dos de la victime. Avant de mourir, la victime a écrit le nom de son assassin. Surtout que moi, je l'entends souvent aussi. Ah bah oui, ouais, forcément. Tectif qui se fait tellement bully à la fois par Phoenix et par Hunter, ça, j'adore. C'est le pauvre. Ok. Ça, par contre, c'est juste moi où les voix sont super faibles. Attendez. Ah ouais, non, c'est trop. Bon, bah tant pis. Enfin, dans 30 secondes, ok. Ouais, la musique est vraiment forte, hein, c'est ce que je me dis aussi. Alors pour le coup, je peux pas... Attends, et si je fais ça? Attends, est-ce que le reste passe mieux? Attendez, juste essayer un truc, juste pour voir un peu. Ah ouais, ça passe mieux. Et attends, juste pour tester. Juste pour tester la balance en fait ce que ça donne. Ouais. 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 Je crois que c'était avec mon ancien casque, ça. Les bruitages étaient assez. Assez chiants. Hop, je vais repasser un petit peu tout en vue. L'autopsie à la sixième phrase. Attends. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, avant de mourir, la victime a écrit le nom de son assassin et pour toi, il y a un problème avec le rapport d'autopsie. C'est bien cela que tu veux me dire. Est-ce que quelqu'un a une objection ? Est-ce que quelqu'un a une objection? Ou bien qu'il se taise à jamais? Bon, en vrai, il a annoncé qu'il avait une réponse, il a attendu un petit peu, donc... Objection! Effectivement. Alors le pire, c'est que Lyra, elle avait déjà la piste, mais elle a pas appuyé dessus. Je l'ai vu passer, c'est... Oh, elle va réinsister dessus quand j'aurai fini.
Non, pas forcément, c'était mon idée que j'ai trouvé dessus. Bah oui. Ah, mais je le souligne, je l'ai vu passer. C'est ta-ta-ta-ta, c'est encore la déposition du témoin. Je ne dis rien tant qu'on n'a pas commencé le contre-interrogatoire. Et au pire, au pire, elle le répétera au moment du contre-interrogatoire. Et c'est vrai que je t'ai pas vu le remettre. C'est bah alors. Bon, bah on va continuer comme d'hab. Mais... Zut, elle avait trouvé du premier coup. Oui, j'ai vraiment galéré une semaine là-dessus. Ça va bien, et vous? Ah, je me suis senti tellement con. Aussi, elle est sur tel, donc galère à écrire. C'est pas faux. C'est un point qui se défend. Pardon, je... Oh là là, comment il se fait Bully Detective, c'est incroyable. Attention. C'était le lendemain du meurtre. On l'a reçu le lendemain matin. Updated Autopsy Report. Voilà, c'est bon, maintenant c'est fait, voilà, il est là. Updated Autopsy Report. Et voilà. Exactement. Alors, ce qui est une connerie juridique en réalité... En réalité, normalement, Hunter aurait dû présenter le rapport d'autopsie mis à jour dès l'ouverture de la séance. Si mise à jour du dossier du rapport d'autopsie devait... En gros, le rapport d'autopsie présent dans le dossier de l'affaire devrait déjà être le rapport d'autopsie mis à jour. Si le rapport d'autopsie qui est présenté à la base n'est pas celui à jour, je crois que celui à jour est même pas valide. Et je crois qu'il y a une connerie comme ça. Ce que je viens de dire là à l'instant, la dernière chose que je viens de dire, prenez des pincettes, je suis pas tout à fait sûr. Mais il me semble. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble. On note que c'est illégal, exactement. Non, en fait, il a pas le droit de présenter. En fait. Littéralement, il devrait recevoir un blâme pour avoir laissé dans le dossier de l'affaire un document périmé, en gros. Ça, c'est un truc comme ça. En gros, c'est une connerie juridique, là, ce qui se passe. Voilà, c'est... Mais en fait, c'est pour ça que tout le monde en rigole, en fait. C'est genre, c'est tellement flagrant que ça en devient hilarant. Vous êtes un fourbe, Hunter. L'inspecteur est un fourbe. Je suis fourbe. Il y a un rebeu de trop dans cette phrase. Vas-y, il se blesse dans sa confusion. Parce qu'un bon détective est un détective bien bully. Allez, retenue sur salaire supplémentaire. Et deux. Voilà. Rapport d'autopsie mis à jour.
décès dû à un coup violent, a peut-être survécu quelques minutes après le choc. Alors, en vérité, ce rapport d'autopsie mis à jour est peut-être le plus vrai des deux. Véridique. Pourquoi ? N'oubliez pas que dans la cinématique, au tout début, après avoir été frappé, Mia a eu le temps de dire « Red, White, Blue ». Elle a eu le temps de prononcer ces trois mots avant de s'écrouler. Donc elle n'est pas morte sur le coup. Ce rapport d'autopsie est peut-être est véritablement correct. C'est parti pour l'enfer. Allez. Après, t'inquiète, t'as pas besoin d'eau bénite, hein. Le feu purificateur, c'est déjà bien efficace, hein. Allez, c'est parti. Alors... Il est environ 21h, j'ai regardé par la fenêtre. Oui, c'est ça. Et là, oulala, j'ai vu une femme aux cheveux longs se faire attaquer. Son agresseur était cette femme aux cheveux brunâtres assise sur le banc des accusés. Puis la femme a fait comme une esquive, puis elle s'est enfuie. Mais cette fille, elle l'a rattrapée et elle l'a frappée. Puis la femme aux cheveux longs, elle s'est comme affalée. Fini, c'est tout ce que j'ai vu. Chaque mini détail. What is it now, Mr. Wright? Ah non, ça faudrait que je la sorte plus tard. Faut que j'arrive à retrouver la vidéo. En vrai, faut vraiment juste que j'arrive à la retrouver. Mais c'est genre, c'était une vidéo en mode bah du coup procès d'Ace Attorney. C'est sur la fin. Bon bah voilà, y a le juge. There's no other room for debate. So unless anybody have any further objection. Les gens, t'as fait si bougez pas. Objection. 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 What is it now, Mr. Wright? You're forgetting one thing, Your Honor. No, please, Mr. Wright, please don't do this. C'est vraiment genre avec une vieille musique de cartoon derrière. Oh, faut que je la retrouve, je la mettrai sur le Discord, c'était vraiment un truc légendaire. Mais genre le... Objection. Objection. No, please, Mr. Wright, please don't do this. What is it now? Bien sûr. J'ai mis la réflexion du « Je veux mener mon contre-interrogatoire juste pour faire chier l'accusation !» Oh t'inquiète Phoenix, sur Marvel's Capcom, moi j'ai déjà une vidéo de I Heart Justice qui est le meilleur joueur de Phoenix mondial où t'as souvent des... T'as beaucoup de compilations de ces matchs qui sont toujours incroyables. Alors, de ce que j'ai vu, en plus d'être le meilleur Phoenix World, c'est aussi un excellent Captain America. Donc vraiment jusqu'au bout, c'est vraiment c'est I Love Justice. Vraiment son pseudo c'est littéralement I Love Justice.
Et genre, sa team, il y a quand même dans sa team Phoenix Wright et Captain America. C'est vraiment... Je trouve que c'est... J'admire la dédication de cette personne à honorer son pseudo. Je trouve ça génial. Et du coup, ouais, non, Phoenix, dès que t'as la moindre objection qui est casée et que t'as le Conrad qui se lance... Parce que ouais, un petit truc qui est sympa dans Marvel's Capcom, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que du coup, Phoenix a trois phases. En gros, c'est un personnage avec une petite mécanique... une mécanique propre à lui où en gros il va devoir trouver des pièces à conviction. Tu joues un jeu de combat, hein, mais tu dois trouver des pièces à conviction. En fait, un coup, Phoenix il cherche au sol et il ramasse quelque chose. Et en fait, t'as plusieurs pièces à conviction, des inutiles que tu peux rejeter, que tu peux t'en servir comme projectile, et des utiles qui vont rester dans ton inventaire. Et en fait, quand tu as trois bonnes pièces à conviction, tu rentres en mode tribunal, en mode procès. Donc là, Phoenix devient un petit peu plus puissant, il a de nouveaux coups, il peut balancer des dossiers. Parce que Phoenix en mode enquête, il est faiblard, c'est vraiment un des pires persos du jeu. Ensuite, il passe en mode procès, où là, il a un petit peu de meilleurs coups. Et surtout, il débloque l'objection. Et en fait, si jamais il arrive à toucher son adversaire avec l'objection, là, il rentre en mode volte-face, où là, t'as Cornerette qui se lance. Et Phoenix, en fait, est buffé de fou. Il a un buff sur toutes ses stats. Il a des coups de malade mental. Il a littéralement un coup où il pointe du doigt. Et en fait, genre, il fait un gigantesque doigt laser. Ça n'a aucun sens, mais c'est trop stylé. Et surtout, bah, du coup, ce qui est incroyable, c'est que quelle que soit la musique du stage à ce moment-là, et ben t'as Cornerette qui se lance. Genre t'as toute la musique qui se stoppe pour mettre le thème de Phoenix. Et c'est génial parce que du coup ça crée une hype de fou furieux. Quand t'aimes Ace Attorney, c'est genre t'as le thème de Phoenix qui se lance dès que tu réussis l'objection, quoi qu'il arrive. C'est trop bien. Bref, revenons à notre contre-interrogatoire. Alors je me souviens ce qu'il faut faire. Donc, oubliez pas qu'on peut aussi attaquer des phrases. Voilà, je vais vous refaire les tours comme d'habitude, mais gardez en tête qu'on peut attaquer des phrases. Il n'y a pas forcément toujours des contradictions tout de suite. Voilà. Dites-vous que c'est un genre de tuto aussi pour apprendre à attaquer. Hein. Gardez ça en tête. Hein. Là, le début de cette affaire 2, c'est surtout un tuto qui te sert à apprendre à attaquer. Donc rappel, badge d'avocat, toujours très important. Ah mais il est incroyable, le Call Red version Marvel vs Capcom, c'est une dinguerie. Hein. Voilà, il y a attaque ou présenter preuve. Donc alors, rappel qu'elle est donc morte suite à un coup violent et a peut-être survécu quelques minutes après le choc. La conversation entre Mia et Maya, les éclats de verre du lampadaire, l'arme du crime qui est la statue du penseur fabriquée par Paul, la bande d'écoute téléphonique que Mademoiselle Vril avait dans sa chambre, la note avec le nom de Maya noté dessus et le plan du bureau. Rappel du plan du bureau encore une fois. Et donc, rappel de la déposition, il est environ 21h, je regardais par la fenêtre, oui c'est ça. Et là, oulala, j'ai vu une femme aux cheveux longs se faire attaquer. Son agresseur était cette femme aux cheveux brunâtres, assise sur le banc des accusés. Puis la femme a fait comme une esquive, puis elle s'est enfuie. Mais cette fille, elle l'a rattrapée et c'est tout. À première vue, rien de ce témoignage ne semble contradictoire, mais il doit bien y avoir quelque chose. Je devrais peut-être insister sur les faits et l'attaquer un peu. Quand je vous disais que ça donnait des indices, des petits tips, des petites... on va dire des petits conseils, soit des conseils, soit des indices. Voilà, bon bref, allez, je vais pas vous prendre pour des idiots non plus. Donc là, ce que Phoenix vient de nous dire, c'est il faut attaquer une phrase. Là, actuellement, il n'y a pas de contradiction dans cette déposition. Nous devons attaquer. Qu'est-ce qu'on attaque ? Sur quoi vous voulez plus d'informations ou quel élément vous semble un petit peu bizarre et que vous dites un peu plus d'infos? Donc il est environ 21h et regardez par la fenêtre. Elle a vu une femme aux cheveux longs se faire attaquer. Son agresseur était cette femme aux cheveux brunâtres assise sur le banc des accusés. Puis la femme a fait comme une esquive, puis elle s'est enfuie. Mais la fille l'a rattrapée et... Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Attaque sur l'esquive. Ok. C'est les attaques, on peut y aller un petit peu YOLO. Hein. On va dire, tant qu'on n'est pas sur une phase où on risque de mourir ou de perdre de la crédibilité, on peut y aller YOLO pour les attaques, y a pas besoin d'attendre. Une esquive? Mais elle a esquivé quoi? Pas plus d'informations. Alors en vérité celui-là, je me souviens de ce qu'il faut faire. Je dois bien vous avouer que même pour moi c'est un peu perché. Enfin faut vraiment y penser, c'est un truc à la con.
véridique. Quand vous allez avoir la réponse, ah ouais, c'est. Faut y penser. C'est con, mais faut y penser. Donc il était 21h à regarder par la fenêtre. Elle a vu une femme aux cheveux longs se faire attaquer. Son agresseur était la femme aux cheveux bruns, assise sur le banc des accusés. Et puis la femme a fait comme une esquive et s'enfuit. Cette fille l'a rattrapée. Et... Alors, du coup, on sait que l'histoire de l'esquive, il n'y a pas plus d'informations à en tirer. Attaque au premier. Ok. Alors pourquoi vous faites cela? Hein? Pourquoi? Bah enfin, pourquoi quoi? Bah, pourquoi regarder par la fenêtre? Vous espériez voir quelque chose? Pourquoi fallait que j'attaque ça déjà? Eh, nous pouvons insister. Bugger! Objection! À l'aide. Au secours. Pauvre petite, pour moi de moi, ouais. Bref, elle a regardé par la fenêtre. Oui. Bon alors, comment on continue? J'ai dit à quel point j'aime la VFDS. Ah ça. Ah ça, elle me manque. Elle me manque beaucoup. Sur Maya, mais de quoi sur Maya? Ah, tu veux dire ça là? L'agresseur à la femme aux cheveux brunâtres. Après, essayez pas non plus d'attaquer au hasard. Essayez qu'il y ait une réflexion. Sinon, on va juste tout attaquer au hasard. Oui. Bon, allez, en vrai. Parce qu'en vrai, sinon, on va patauger pendant 3 ans. Ah oui, c'est vrai qu'on a oublié de repasser les profils aussi également au niveau de l'affaire. Hein. Mais voilà, du coup, quand t'es dit, elle a un physique d'adolescente, oui, effectivement, Maya a 17 ans. C'est vrai qu'on a oublié de refaire le petit point, mais voilà pourquoi est-ce qu'elle parle de. Du coup, c'est... Ouais, du coup, mais elle avait. Ouais, bah, enfin, elle avait, vous savez, un physique d'adolescente, quoi. Voilà. C'est vrai que je viens de percuter qu'on n'a pas fait le petit tour des différents personnages impliqués dans l'affaire. Donc voilà. Non, moi je m'en doute le témoignage, et vous savez pourquoi? Quand je vous... Non, vous n'avez rien. Et maintenant c'est parti pour l'explication du le pourquoi du comment de tout ça. Thank you.
C'est à ça qu'il fallait penser. Alors en fait, quand tu regardes, c'est oui, effectivement, c'est un point qui se défend très bien. J'avais oublié qu'elle avait un tic nerveux sur cette animation. Mais du coup, effectivement, c'est un point, un très bon point, mais putain, faut y penser. C'est vrai que la tenue de médium est plus flagrant que le physique. C'est ça. Non, mais en fait, c'est assez pertinent, tu vois. C'est genre, lorsqu'elle te parle de... Elle dit, ouais, j'ai vu l'accusé. Oui, j'ai vu, c'était une adolescente aux cheveux bruns. Et en fait, genre, tu dis pas que genre, elle est littéralement en train de se balader comme une ado qui se balade à Japan Expo, tu vois. C'est... Genre, Y a rien d'autre qui te choque. Ça, c'est vraiment juste, tu vois Maya, c'est ouais, écoutez, elle a les cheveux bruns, c'est une adolescente de 17 ans, ouais, si. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Y a que ça qui vous semble notable chez cette personne? Voilà. Nouvelle déposition. J'ai vraiment tout vu, je vous assure. La victime, la femme, a esquivé la première attaque et s'est enfuie sur la droite. Puis la jeune fille habillée en hippie l'a poursuivie. Et elle l'a frappée avec cette arme. Je l'ai vu, je vous assure. Cette pendule. Cette espèce de pendule statue. Le penseur, je pense. Alors, les attitudes maléclassantes ne surprend-elles pas? J'avais oublié ce détail. C'est le moment où tu réclames de l'attention. Mais ma taïga. Viens moi chien. Viens. Ah ouais, tu fais des miaou et tu t'approches pas quand tu veux. Excusez-moi, j'ai un chat en manque d'attention. Oui, c'est moi chien. C'est mon bébé. Bah ouais, c'est ma taïga. Ah moi chien chien. Ouais, excusez-moi, hein. Voilà, 4 time. Mon chat, c'est une tsundere en manque d'attention. Donc disons que là, si je viens pas y faire des gratouilles un petit peu, vous allez l'entendre pendant un quart d'heure. Hein? Ah. Ah, il y a le cousin qui se déplace. Ah, elle a vu le cousin. Ça va, mon grand? Tu kiffes ta vie? Alors, je te conseille de pas descendre trop, parce que sinon, il y a un chat qui va te bouffer. Tu vas rien comprendre. Ça va faire des protéines en plus. Voilà, c'est bon. Elle est occupée avec le cousin. Ça va? Attendez, vas-y. Regardez-moi. Là, elle est en mode chasse. Là, elle le suit du regard. Elle le cherche de partout. Là, ça y est, là, elle est en mode chasse. Voilà. Ah, j'adore ce chat. Hop. J'ai déjà quoi attaquer, ok. Bah écoute, si pour toi il y a une phrase à attaquer, Shadlight, vas-y. Hein. Moi je t'avoue, j'ai juste un doute s'il faut attaquer ou mettre une pièce à conviction, je me souviens plus. Mais je sais quelle phrase est importante. Donc, rappel, j'ai vraiment tout vu, je vous assure. La victime, la femme, a esquivé la première attaque et s'est enfuie vers la droite. Puis la jeune fille habillée en hippie l'a poursuivie. Et elle l'a frappée avec cette arme. Je l'ai vu, j'ai tout vu. Cette pendule. Cette espèce de pendule statue, le penseur, je pense. Son premier témoignage est celui que Hunter lui avait dicté. Mais maintenant, s'agit-il de son propre témoignage? C'est le moment attaqué de lui faire dire la vérité. Ici. Ici, là. Proche de là.
Attends. La dernière phrase me semble louche. Tu veux qu'on attaque là? Bah allons-y. Une pendule? Du coup, apparemment, cette phrase est extrêmement suspecte. Bon, en vrai, c'est pas difficile à deviner ce qui est suspect ici. Hein? On a fait l'affaire 1. Preuve sur la même phrase. Qu'est-ce qu'on fait? En vrai, à partir du moment où t'as fait l'affaire 1, tu sais ce qui cloche. La statue. Bah oui. Ça ressemble à une statue, mais c'est une pendule. Comment sait-elle que c'est une pendule? Votre honneur. Oh non, putain, j'ai oublié cette ligne. Alors, comment que tu savais que c'était une pendule? On a établi dans l'affaire précédente que pour savoir que c'était une pendule, soit faut que tu aies déjà l'information, soit il faut que tu l'aies tenue en main. Alors... Objection. Bon, ok, ça a marché qu'une fois, mais hey, ça a marché. Bon, une seule fois, mon premier procès, mais... Après, il peut dire que 100% de ses procès ont été remportés. Déjà, il peut dire qu'il a gagné tous ses procès. Et surtout que tous les témoins qu'il a interrogés ont été reconnus coupables de meurtre. Ok. On refait un petit tour d'épreuve pour savoir quoi répondre. Nous avons le badge d'avocat. Nous avons le rapport d'autopsie de Mia. Décès dû à un coup violent, a peut-être survécu quelques minutes après le choc. Nous avons la conversation au téléphone de Maya et Mia le matin du meurtre. Nous avons les éclats de verre du lampadaire qui s'est pété. L'arme du crime qui ressemble à une statue de pendule mais qui a été fabriquée par Paul. Nous avons la bande d'écoute téléphonique de Mademoiselle Vril, la note avec le nom de Maya et le plan du bureau. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Est-ce qu'on a quelque chose là-dedans qui peut nous faire dire pourquoi est-ce que soit elle n'a pas pu l'entendre, soit la pendule n'a pas pu sonner? Sachant que Hunter vient de nous dire... En gros, ce qui a été déclaré officiellement, le bureau Fayenko se trouve proche de l'hôtel, elle peut très bien l'avoir entendu de sa fenêtre. On va partir sur le second choix. Est-ce que quelqu'un peut au moins expliquer pourquoi ici, avant que j'appuie? Pourquoi devrais-je appuyer ici?
La conversation de Maya et Mia. Exactement. Dans leur conversation, c'est une pendule à la forme d'un statut penseur et dealer. Et en fait, il faut que je te le dise, la pendule ne parle plus. Elle marche plus, quel dommage. J'ai dû retirer le mécanisme. Désolé, j'ai glissé les documents intérieurs à la place. Mia a retiré le mécanisme à l'intérieur de la statue. Enfin, de la pendule. La pendule ne marche plus. Elle n'a pas pu sonner. Elle est vide. Voilà. Non, pas encore. Alors c'est une possibilité, mais un petit peu foireuse quoi. Parce que ça veut dire que... Mais d'où elle a pu l'entendre? Ah, quoi qu'elle peut l'avoir entendu dans la journée, c'est vrai. C'est impossible, bien sûr. Ah ouais? Je peux. Ah ouais, bro. Et ouais, bro. Voici la preuve qu'on espérait. La preuve qui démontre quand le mécanisme a été retiré, bah en fait, c'est la preuve qui nous permet de... En fait, d'amener la réflexion. Oh. Mais c'est OST, c'est du miel. Ça va être retenu sur son salaire. Pourquoi Butler n'était pas aussi compétent que Félix? J'en ai aucune idée. Après, on va dire que Félix n'a pas des affaires aussi compliquées que ça à gérer par rapport à Butler. On va dire que Butler, il y a un peu de sauce salsa, on va dire, sur le truc. Non mais là, Tective, là, il en est arrivé au stade où il va devoir payer pour travailler. Les gymnastiques de Omiko comparé à Wake Saturni, ouais. Non, par contre, Omileko, c'est un autre level, hein. D'ailleurs, t'en es où sur le chapitre 8? T'as bien avancé? Je me souviens qu'il y a pas si longtemps que ça, tu le commençais.
suis au début. Ah ouais, d'accord, t'es encore au début. Ok, ok. Pas de soucis. Oh putain, tellement de trucs dont on va parler. Alors, la défense a-t-elle d'autres objections? Elle vient de nous dire qu'elle a vu la statue dans une boutique. Bon, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire tout de suite bullshit? Est-ce qu'on est d'accord pour dire tout de suite qu'elle se fout de notre gueule? On a fait l'affaire 1 déjà. Voilà, on est d'accord. Nous sommes d'accord que nous sommes d'accord pour appeler. Nous sommes d'accord à appeler connerie. Elle a été fabriquée par notre pote. Bien sûr que j'ai une objection. C'est tout simple, la statue elle-même. Il n'en existe que deux dans le monde. Ça c'est le Jericho quoi, c'est la deuxième vague. C'est genre Phoenix, il lui a envoyé une airstrike dans la tronche et c'est tu sais quoi, une petite deuxième pour être sûr. Allez. Tout le monde se tait, c'est Conrad. Bon, c'est le moment où on doit juste relier les points ensemble. Elle ne l'a pas eu en main. Pourquoi? On a trouvé une bande d'écoute téléphonique dans sa chambre. Elle en a entendu parler. On peut encore profiter de l'OST. Ah, attends. Excuse-moi. Attends. On va en profiter, attends. Attention.
Ah, oh, c'est tellement du miel, bordel. Oh, entre l'OST, les gros plans, les avec les des speedlines et ah, oh, ce jeu est trop parfait. Bon, du coup, quelle est la preuve que, que la victime a bien dit au téléphone que l'arme était une pendule? On n'a pas 15 000 preuves pour prouver ça de toute manière. Hein. Nous sommes bien d'accord, n'oubliez pas. Voilà. Donc effectivement, Miel l'a dit au téléphone le matin même. Ça c'est BT-64. Et encore, dis-toi que ça c'est la version remake de ADS. Hein. Rendez-moi Cornered, rendez-moi le bonheur. Rendez-moi la satisfaction de juste matraquer un témoin jusqu'à ce qu'il craque. Quel retour dans son mauvais épisode de Parodie de Jojo. Quoi? C'est quoi le rapport avec Jojo? Surtout là, ah ouais, non mais là... Non, par contre, non, peut-être pas Jojo, mais en tout cas, ouais, c'est... surprenant. Avouez, vous l'avez tué. Non, allez, pourquoi ils écoutent? C'est génial, c'est que les dialogues, je les ai déjà vus je ne sais combien de fois, mais ils arriveront toujours à me faire rire. Ce jeu est trop parfait. Oui, mais c'est pas là la question. Oui, elle n'était pas sur les lieux du crime elle-même, mais elle a quand même mis la victime sur écoute. Ça crée un lien.
Bah écoutez, hein, allons-y, allons-o. Témoin suivant, c'est ça. Hein. C'est ah bon, bah le groom a été appelé. Bah écoutez, on va interroger le groom alors. Mais on l'a pas accusé, hein. On l'a pas accusé de meurtre. On l'a accusé d'avoir mis la victime sur écoute, ce qui est donc hautement suspect. Vis-à-vis que la victime a été tuée en même temps. C'est la victime était mise sur écoute, c'est qu'il y avait une raison, il y avait quelque chose qui se cache derrière tout ça. Quelque chose qui demanderait une enquête plus approfondie. Vas-y hein, même pas peur. J'ai rien à perdre, sauf tout. J'aime bien cette phrase. Je n'ai plus rien à perdre, sauf absolument tout. Ah ouais, on le contre-interroge direct. Ah mais non, mais je voulais dormir, moi. Parce que là il commence à se faire tard pour moi et à ce qu'il paraît je bosse demain quand même. Oh putain, en vrai je voulais attendre d'atteindre la fin du procès, mais je crois qu'il nous en reste encore pas mal ouais. La pause c'est pas de suite, ouais. En fait je me souvenais plus s'il y avait vraiment une pause, mais pas genre entre une phase de procès et une phase d'enquête. Mais bon c'est vrai que c'est, vu que c'est que la deuxième affaire du premier jeu, peut-être qu'il le faisait pas encore. Mais parce qu'en fait sur les affaires un peu plus grosses, en général, quand on va passer à un nouveau témoin, il y a un petit instant où on retourne dans la salle d'attente, le temps que le témoin soit préparé et qu'il arrive. Et en fait, souvent, c'est très très fréquent ça. Quand t'as un nouveau témoin ou que t'as ce genre de truc, ce genre d'événement, ce genre de tournant dans l'affaire, t'as une petite pause qui est déclarée. Et je pensais qu'il y en a, je me souvenais qu'il y en avait une, mais bon, du coup. Non, parce que là, vraiment, il va commencer à se faire tard. Je vais pas pouvoir continuer jusqu'à la fin du procès en fait. Là, clairement. Pour un autre perso pas encore introduit. Bah après le groom, bon on l'a juste croisé, tu vois. Puis il y avait le temps quand même qu'on l'appelle de l'hôtel, qu'on le ramène de l'hôtel, tout ça. Ouais, puis il y a une phase d'enquête après. Bon, excusez-moi, c'est vrai que je voulais pas particulièrement m'arrêter là. Mais là, il est 11h30, je me lève à 6h demain, le temps que, comme vous le savez tous, hein, j'ai beaucoup de mal à trouver le sommeil. Je suis le genre de personne qui se retourne dans son lit pendant 1h30. Donc c'est à dire que là maintenant je sais déjà que je dors pas avant 1h du mat, vous voyez. Donc voilà, je vais éviter de me retirer encore plus de temps de sommeil. Déjà que c'est assez compliqué comme ça. Oui voilà, non on va s'arrêter là, écoutez, hein, tant pis. C'est, je voulais juste m'arrêter je pensais juste m'arrêter à la fin de la phase de procès. Mais bon c'est pas grave, on continuera la prochaine fois. Allez. Bon, bah en tout cas, tout le monde, c'était cool encore une fois. Merci d'avoir répondu présent pour Ace Attorney. C'est. Non, mais en vrai, moi je vous le dis, hein, ça me fait très plaisir. Bah, déjà, parce que c'est. Voilà. Je sais pas si ça se ressent assez. Hein, que c'est. Déjà, rien qu'on est qu'au premier jeu, je suis déjà comme un fanboy en train de jouer à mon jeu favori. Donc, déjà, moi ça me fait trop plaisir d'y jouer, mais ça me fait en plus plaisir de voir qu'il y a de l'investissement sur le chat lorsque je vous invite à trouver les réponses aux contre-interrogatoires. Ça me fait vraiment super plaisir. Là, c'est vraiment, j'ai la satisfaction du fanboy qui fait découvrir un truc qu'il aime à d'autres personnes, tu vois. J'aime vraiment, c'est une sensation de satisfaction que je vais pas vous cacher. Et vraiment, ça me fait pas regretter d'avoir lancé Ace Attorney, quoi. Donc, vraiment, déjà, merci à tous d'avoir répondu présent. Ça me fait vraiment plaisir. Hein. Là, c'est. Tu vois, je pense, ça, je pourrais quand même faire le jeu, tu vois, même s'il y avait moins d'investissement, moins de réponses lors des phases d'enquête, tout ça. Mais. C'est quand même plus marrant comme ça, c'est quand même vachement plus drôle comme ça. Voilà, donc je vous remercie sincèrement.
Du coup, je vous dis à tous une bonne nuit. Je vais aussi dire au revoir à YouTube, donc d'avoir regardé cette VOD. Merci à toi. Si jamais tu veux venir voir les streams d'Ace Attorney en direct, t'as les liens dans la description de la vidéo. Voilà, donc le lien du Discord de la chaîne et de la chaîne Twitch. Donc tu peux venir sur le Discord et il y a un petit rôle pour recevoir des notifications lorsque je pars en live. Donc comme ça, tu peux être ping sur Discord si tu veux. Ou alors, tu peux venir directement follow la chaîne Twitch. Comme ça, bon, moi, tu verras quand je suis on stream. Et bah, n'hésite pas à venir faire un petit tour. Voilà, regarde, là, c'est la bonne ambiance. On s'éclate sur Ace Attorney. Pour le moment, je peux encore me permettre de faire le malin parce que je connais encore assez bien les affaires. Quand on va arriver à l'affaire 4, déjà l'affaire 3, il y a des trucs dont je suis sûr que je vais pas me souvenir. Je suis sûr qu'il y a des petits détails ou quoi dont je vais plus me souvenir. Et après, dès qu'on va arriver à l'affaire 4, je vais vite déchanter. Mais là, au moins, comme ça, on cherchera ensemble et j'essaierai de... On enquêtera tous ensemble et ce sera une nouvelle phase dans le let's play. Voilà. Bon, en tout cas, merci à toi sur YouTube de regarder. Merci encore à vous qui êtes sur le stream. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la prochaine. Tchuss!